Et bienvenue sur Little Baby Pam. Aujourd'hui, du coup, je vais prendre la tech, donc les transports en commun pour la Wallonie, et on va faire une activité tout à fait particulière, enfin que je n'ai plus faite depuis que j'étais au moins en primaire. Ça y est, je suis du coup à Aventure Park de Wavre. Donc là, ça va ouvrir d'ici quelques minutes, donc je suis dans le premier créneau horaire. Et on se retrouve tout de suite après l'intro, en version immersive, avec la GoPro. Et dernière petite information avant qu'il y ait l'intro, je vais faire donc tout ça, alors que j'ai le vertige. Donc déjà, rien que pour ça, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre des commentaires d'encouragement. Je me demande s'il y a des gens qui vont arriver, parce que sinon, ben... j'ai le parc juste pour moi, je suis toute seule. Il n'y a personne, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de car, il y a personne en fait, tout simplement. Il est où? J'ai demandé à Margot gentiment si je pouvais aller regarder la rediffusion du Grand Prix. Et elle a dit gentiment non. Un bretzel géant, c'est génial. C'est le niveau pour s'habituer et découvrir. Oh purée. Déjà ici je galère. Qu'est-ce que ça promet après? Heureusement que je suis en hors saison et qu'il n'y a personne. Parce que ça, avec le stress des gens, je sais pas si je l'aurais vraiment bien supporté. Je dois m'élancer. Comment ça? Je comprends pas. Ici c'est le saut Tarzan. Ouais. Il faut prendre la corde et sauter, faire comme Tarzan. Et ça c'est le plus soft j'imagine. Ça, oui, non, vous prenez de l'élan et vous faites un grand saut. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ah mais... ça va aller, ne vous inquiétez pas. Et si je tombe au milieu? C'est bien, vous n'allez pas tomber au milieu. Ah j'ai peur. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ah voilà. Et vous avez réussi. Bon. Et je ne suis toujours que dans les petits faciles pour s'entraîner. Au niveau vert ici. Donc là c'est le dernier circuit dans les verts avant de commencer au niveau rouge, qui est du coup encore plus difficile que ce que je fais. Oh. À partir de 10 ans, si tes enfants de 10 ans peuvent le faire, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Donc ici c'est une plateforme roulante, donc je peux amener ça jusqu'à moi et partir avec ça de l'autre côté. Oh j'ai peur, mon dieu j'ai peur. Oh purée, qu'est-ce que je suis en train de faire et de vivre moi comme truc ici. Oh. Et en même temps avec la corde pour s'avancer. Je pensais honnêtement pas que ce serait aussi sportif. Alors ici, c'est la luge que je dois d'abord ramener jusqu'ici. Voilà. Et puis je dois m'asseoir dessus pour avancer. Oui, oui, déjà comment je vais m'asseoir là-dessus moi? Non, non, bouge pas la luge, bouge pas. Ah! Mais ça démarre sans moi, ça. Ah! Ah! Oui. Ah non, non, non! Faut que je retombe ici. Fais-moi avancer la luge. Venez donc. Alors, je vais commencer par ici, on enlève ça, je vous l'accroche ici, okay. Et ici. Okay. Asseyez-vous. Je m'assieds où? Dans votre baudrier. Ah. Laissez-vous suspendre. Alors du coup, bon amusement. Ah, merci. Bon amusement. Merci. Oh. Ok.
c'est cool en fait, mais c'est juste que c'est flippant parce que je tourne et du coup je suis à l'envers par rapport à l'activité. Donc parfois je suis à l'endroit, parfois je suis à l'envers et c'est ça qui fait peur. Mais sinon c'est chouette et ça va pas trop vite. Je pensais qu'il irait plus vite que ça, honnêtement. Mais ça va. C'est juste être à l'envers que j'aime pas parce que j'aime voir ce qui se passe et j'aime contrôler les choses. Et là, ben, y a rien de tout ça. Ah, je suis de nouveau à l'envers, j'avais pensé être à l'envers. Oh, et c'est déjà la fin de cette tyrolienne tournante. Donc voici maintenant dans le niveau rouge. Donc c'est le niveau où en regardant sur internet, je m'étais dit que ça allait être le maximum, mais vraiment le maximum de maximum chez moi. Donc si j'arrive à le finir, je serai très fière de ma journée. Grande vitesse freinée. Ok. Bon ben, grande vitesse, je vais devoir freiner. C'est parti! Wouh! Effectivement, il faut aller freiner. Donc là, c'est un tube et je dois y aller en arrière. Voilà l'envers ici dedans. Et maintenant comment je sors d'ici moi? Désolée de prendre du temps. Pas grave, y'a pas de problème. Merci, c'est gentil. Ah, c'est pas fini en plus. Je suis donc ici sur la piste noire, donc la plus dure. Celle que je pensais pas du tout arriver à. J'ai pas pris assez d'élan, je suis coincée en plein milieu. C'est parti. Fini une noire complète. En soi, le truc c'est que quand on commence, bah, on peut pas arrêter en plein milieu. On devait tout finir. C'est ça, t'aimes bien? Oui, ça va. C'est cool, t'as fait quoi déjà? Bah, je viens de finir la noire. Ok, chouette.
Pour quelqu'un qui a le vertige, c'est pas mal. Ah, carrément, c'est bien. C'est parti pour un tire-retour. Donc c'est un tour rempli de tyroliennes. C'est le tire-retour 1. Et à ce qui paraît, après la dame qui a expliqué, la première tyrolienne, bah, elle est simple et les autres sont assez rapides. Donc on va voir, faut même pas prendre d'élan et pour que ça aille vite. Donc on va voir si elle appelle vite ou si c'est trop vite pour moi. Ah, effectivement, ça va beaucoup plus vite. Boum, contre le mur. Franchement, c'est la journée du dépassement. Ah, c'est coincé ici, mon truc. Après ça, j'arrête et je rentre sur Bruxelles. 1, 2, 3. Ouh, la passerelle. Et on va arriver au point le plus haut du parc. Franchement, je pourrais être très fière de moi. Parce que le niveau noir, je ne pensais vraiment pas y arriver. Ni le faire tout simplement. Je ne me sentais pas apte à faire ça pour une première fois en accrobranche. Et qu'en avant, c'est bien. Cette journée, du coup, à Aventure Parc de Wavre est dès lors terminée. Je me suis surpassée. J'ai fait plus de choses que ce que j'aurais cru être capable de faire, très clairement. Et même ce que je pensais être possible de faire en voyant sur Internet, j'étais au-delà de ce que je pensais. Donc je suis très fière de moi, mais j'ai mon estomac tout retourné. Du coup, je m'arrête ici. De toute façon, bah, j'avais tout fait, il me restait juste une activité simple de tyrolienne, mais je préférais arrêter avant que la catastrophe arrive. Mais j'ai fait le maximum, à part juste la petite finalité. Mais j'ai fait vraiment plus, et les niveaux plus que ce que je croyais. Je pensais très honnêtement être au niveau rouge, et être déjà contente si j'arrivais à faire le niveau rouge. Et j'ai terminé le noir, et j'ai fait un tir-retour. Je suis fière de moi, alors qu'au tout début, je pensais déjà que j'allais arrêter. Après seulement le niveau vert, qui est le niveau... débutant pour découvrir, mais je suis KO. Donc là maintenant je rentre chez moi, et pour mon chemin de retour, ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne et sur Instagram, donc Little Baby Pom, et qu'il y a un max de likes pour ce que j'ai fait.
et tes commentaires pour des idées d'autres activités qui pourraient être réalisées sur cette chaîne. À très vite! Salut!